et sans musique. Il était là devant l'église. Il fallait faire. Et il l'a fait. Que Dieu soit béni. Aujourd'hui, on s'en plaint pas. On s'en plaît. Mais Dieu utilise à la limite dont on veut se laisser utiliser et que Dieu est pour nous. C'est pas le thème du message ce matin. Mais j'avais ça sous mon cœur et que Dieu soit béni. J'aime bien ce que le Saint-Esprit me dit dire. Vous savez, il y a une différence, frère et soeur, entre servir et être servi. Ne faisons pas l'inverse. Moi, personnellement, je ne veux pas être servi. Je veux servir, mais je veux pas être servi. On connaît serviteur de Dieu est là pour servir. N'est pas là pour être servi, frère. On est là pour servir. Que Dieu soit béni. Vous savez, ce matin, je ne sais pas si vous avez fait attention un petit peu à la manière que Daniel a dirigé la réunion. Il a parlé de son foyer avant, de ses enfants, de ce qui se passait un peu chez lui. J'aimerais vous parler du modèle. D'un modèle. Qu'est-ce qu'un modèle? Qu'est-ce qu'un modèle? Un modèle dans un foyer. Vous savez, mon modèle à moi, c'était qui? Mon modèle à moi, je me suis marié jeune, je me suis marié, j'avais 17 ans. Mon modèle à moi, c'était mon père. Mon modèle à moi, il était là, je le voyais vivre. Pourtant, lui, je le dis ce matin, et voilà, il s'est baptisé à l'âge de 15 ans, il en a 71. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il est baptisé. Il était même inscrit aux écoles bibliques, mais il n'y a jamais été. Mais il avait été inscrit, on l'avait lancé un petit peu, les anciens, et puis il avait été inscrit, et puis il n'y a pas été. Alors, j'aimerais vous dire, moi, le mode de vie de mon père, mon père, moi, c'était un homme très compliqué, très dur à vivre. L'injustice, il n'aimait pas. C'était un homme de vie, un homme de barque, un homme de sortie comme les anciens avant. Puis c'était un homme qui faisait 500 km pour aller trouver un autre homme, ça ne dérangeait pas. Et mon modèle, moi, je voyais à travers lui un chrétien. Je disais, c'est ça un chrétien. Je disais, si c'est ça, jamais je me baptiserai. C'est normal, frère et soeur. Parce qu'il y a des modèles qui n'apportent pas la vie, frère et soeur. Il y a des modèles que c'est des vrais modèles, des bons modèles. Des modèles sur qui on va dire, si c'est ça un chrétien, je veux être comme lui, moi. Il a une vie paisible, tranquille. Et moi, mon père, il avait une vie, mais ben, comme on partait, nous, dans le monde, tu vois, il montait avec nous dans l'auto et puis il partait avec nous. Quand on avait un souci, quand on y allait, mon père, il venait avec. Et puis, j'aimerais te poser la question, ce matin. Je suis libre, Daniel m'a dit, Moïse, tu es dans ton église. Et puis, je le sens dans mon cœur que je suis dans l'église. C'est pas des mots, frère, c'est une vérité, c'est une réalité. J'aimerais te poser la question, est-ce que tu as un modèle chez toi? Est-ce que dans ton foyer, sorti de l'église, parce que c'est pas dur de dire ici qu'on est des modèles, c'est pas dur ici de vous dire que moi je suis un modèle dans ma maison, mais est-ce que vous savez comment je vis chez moi? C'est pas dur de le dire. Daniel, est-ce que c'est dur de le dire? C'est pas dur de faire le modèle dans l'église. C'est pas dur, frères et sœurs. Mais lorsqu'on arrive chez nous, lorsqu'on est dans nos maisons, lorsque la compagne a des mots qui déplaisent à Dieu devant les enfants, devant le foyer, ou vice-versa, le mari, et puis les enfants regardent et puis ils se disent, c'est ça d'être chrétien. C'est ça. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Timothée, Paul dit à Timothée, sois un modèle pour les fidèles. Et le mot modèle, en grec, veut dire tupos, veut dire image idéale, exemple, prototype. Nous savons que nous avons le modèle des modèles, il s'appelle Jésus. C'est vrai que le modèle, c'est lui, le modèle parfait. Le modèle qu'on ne peut même pas comparer ce matin. Mais j'aimerais te poser la question, toi, chez toi, dans ta maison. Parce que qui connaît mieux le foyer que la compagne ou le compagnon? Sincèrement. Qui connaît mieux ma vie que ma femme? Sincèrement, je vous pose la question, je vais être libre ce matin, Daniel, je ne veux pas être compliqué dans mes mots, je ne suis pas assez compliqué quand je prêche, et puis je veux être libre. Ce matin, j'aimerais vous poser, moi, la question, je me l'ai posé la question, parce que pendant un temps, frères et sœurs, je m'avais baptisé, je croyais que ça y allait arrêter, que c'était bien, et puis ça empirait. Et puis le modèle que j'étais n'apportait pas du tout. J'ai un garçon qui a 25 ans, qui va servir le Seigneur, je suis marié à l'âge de 17 ans, Et puis, mon garçon, quand il me voyait, qui grandissait, ben, il ne voyait pas un modèle chez lui.
Quand j'ai été délivré de l'alcool, j'avais pris un pack de bière sans alcool. Mon petit, qui était tout petit, il était venu vers sa mère et il dit, au moins le papa, il s'est remis à boire. La bière, non, pourtant il était tout petit. Vous comprenez? Dieu nous appelle à être des modèles, frère et soeur. Amen. Est-ce que le modèle à table, eh bien, il boit bien son coup, et puis quand il sort de la table, frère et soeur, il ne faudrait pas souffler dans le ballon parce que le ballon est comme dans le vide. Est-ce que c'est ça le modèle, frère et soeur? Est-ce que c'est ça? Il faut être vrai pour Dieu ce matin, soyons vrais. Dieu ne veut pas. Ce que Dieu veut, la Bible dit ces mots, ce que Dieu veut, ce que le Père demande, ça vient du ciel et c'est le Père, c'est Dieu le Père qui le demande. Ce que Dieu veut, c'est des vrais adorateurs. S'il le dit dans la parole de Dieu qu'à l'époque il y avait des copies, c'est qu'aujourd'hui, mais certains font un peu la copie. Dieu veut que nous soyons honorés. Amen. Dieu veut des vrais adorateurs en esprit, en vérité. Dieu veut des véritables frères et sœurs. Donc s'il dit « Sois un modèle pour les fidèles » et il lui donne une panoplie, c'est qu'à l'époque de la parole de Dieu, il y avait des modèles n'apportaient pas la Bible, frères et sœurs. Vous en connaissez des modèles comme ça. Je suis sûr que vous en connaissez. Je suis sûr que si je vous demande un à un, est-ce que vous connaissez des modèles qui se comportent n'importe comment, vous allez me dire oui, moi j'en connais plein. Mais je ne vous cache pas que j'en connais plein. Vous savez, être chrétien, frères et sœurs, ce n'est pas porter l'étiquette pour être chrétien le dimanche, le mardi et le jeudi. Comme chez moi, les réunions, le jour des réunions, chez moi, l'église. Ce n'est pas ça. Être chrétien, c'est dehors. Être chrétien, c'est au magasin. Être chrétien, c'est dans notre chine. Être chrétien, c'est là où on est, dans le travail, n'importe où. Être chrétien, c'est ça. Mon fils, moi, me reproche une chose. Souvent, il me l'a dit. Il m'a dit, mon père, tu racontes ta vie, ou âgé. Tu chines, tu travailles. La dame a dit, votre père est pasteur, il va en prison. Je dis, mon fils, moi, j'ai un feu qui brûle en moi, et ce feu-là, je te conduis, Seigneur. Comment est-ce que tu veux que moi, j'ai tout? Allez, mettez-vous. Une cocotte d'huile, une martinique d'huile qui bouillit, là. Mettez un couvert, monsieur, ça va exploser. C'est comme ça un chrétien normalement. C'est ça un enfant de Dieu. C'est un chrétien normalement, il est là pour partager. Il apporte la vie, frères et sœurs. Pendant un temps, un foyer m'a regardé vivre. Ça a duré à peu près 2-3 mois. Au bout de 2-3 mois, il est venu me trouver ce garçon-là. Il m'a dit, je veux venir avec toi à la réunion. J'ai dit, pourquoi tu veux venir avec moi? Il dit, aujourd'hui, ça donne envie de venir à la réunion. Il dit, avant, quand je te regardais vivre, ça ne donnait pas envie. Il dit, ça ne donnait pas envie du tout. Ça ne donnait pas envie. Il dit, t'étais un garçon qui buvait, il y avait toujours la bagarre chez toi, il y avait toujours du dégât, il dit, ça ne donnait même pas envie de venir te voir. Il dit, aujourd'hui, ça donne envie. Amen. On voit que quelque chose s'est passé. Il faut être vrai, très sûr. Une vie chrétienne, c'est quelque chose qui se vit tous les jours. Une vie chrétienne, est-ce que vous avez un petit jardin secret avec Dieu? Hein? Il était question de ça, ce matin. D'une vie cachée, une vie cachée avec Dieu, quelque chose qui est à part, quelque chose que personne ne voit, un temps qui est consacré pour lui, ça peut être la nuit, ça peut être la journée, mais est-ce qu'il y a cette vie secrète avec Dieu, ce petit jardin-là? Est-ce que tu l'entretiens, ton jardin? Il est où Jésus de toi? Il est où Jésus dans ton foyer? Vous savez ce que je disais hier à Alain? Je disais à Alain, certains le mettent à la cave. Certains ont Jésus à la cave. Et puis de temps en temps, ils vont, ils le prennent, ils le sortent quand ils en ont besoin. Certains l'ont au grenier. De temps en temps, on monte pour le voir, mais après on redescend. Parce qu'il ne faut pas trop s'engager. Ça engage plein de choses et puis ça nous oblige à délaisser plein de choses. Donc on ne peut pas trop y aller. Et puis certains, vous savez ce qu'ils font? Certains le mettent des fois dans un coin, dans la maison, dans un placard. On le sort comme un parapluie. Quand ça fait froid, quand de l'eau, que quelque chose va nous toucher, ben, on veut une protection. Mais c'est un Jésus de temps en temps. Jésus veut mettre notre Jésus de temps en temps, frère. Ce qu'il veut, c'est être placé au centre. Il faut qu'il soit au centre, frère. Vous savez, s'il a été crucifié à la croix, au lieu du crâne, Golgotha, prouvé scientifiquement, c'est le centre du monde. C'est le centre. D'après les scientifiques, c'est le centre de la Terre. Et il faut qu'il soit au centre de ton foyer. Il faut qu'il soit en plein milieu de ton foyer. Il ne faut pas qu'il soit caché à la cave ou au grenier, dans un coin, dans un placard. C'est pas ça, une vie chrétienne, frère et soeur. Vous savez, si Paul parle à Timothée et qu'il lui demande d'être un modèle, frère et soeur, c'est qu'il y a une raison.
C'est qu'il y a une raison. Il faut être des véritables modèles. Il faut être quelqu'un qui vit une vie chrétienne, frère et soeur. Parce que ça se voit un modèle, hein. Ça se voit. Quand on marche dans la rue, les gens doivent le voir. Les gens qui vous côtoient tous les jours, qui vous parlent, qui venent chez vous, à travers l'hospitalité, frère et soeur. À travers l'hospitalité, simplement, un verre d'eau, c'est pas grand-chose. Mais c'est comme ça, frère et soeur. À travers l'hospitalité, les gens voient qu'on est des chrétiens, des enfants de Dieu, la manière qu'on a de parler ou de recevoir les gens. Vous savez, lorsque Paul dit ces mots, c'est qu'il y a une raison, Seigneur. Il dit à Timothée qui est là, il dit, sois un modèle pour les filles. Mais comme je vous ai dit dans la parole de Dieu, il y a des modèles qui n'apportent pas la vie. Acte 5, il nous parle d'un foyer. Ananias et Saphira. Un homme et une femme qui ont une vie chrétienne, qui font partie de, qui voient des chrétiens, ils voient des pasteurs, ils voient des miracles, ils voient des hommes annoncer la parole de Dieu. Ils sont là. Et à l'époque, vous savez ce qu'on faisait à l'époque? À l'époque, on mettait tout en commun. On vendait quelque chose, on apportait aux serviteurs de Dieu une certaine somme d'argent, ce qu'on avait décidé de donner, parce que le choix nous appartenait très bien sûr. Et puis, s'il y avait des malheureux, c'était redistribué. À l'époque, il n'y avait pas de malheureux. Et puis là, cet homme, il vend son champ, mais avant d'aller vendre son champ, il dit à sa femme, écoute-moi. Pourtant, regardez bien la manière que ça a été tourné et fait, ça. L'acte qui est écrit. Il dit à sa femme, il dit, écoute-moi, tu vas venir là, on va se mettre d'accord tous les deux. Il va lui expliquer, il va dire, voilà, j'ai vendu le champ à tel prix. On va dire à l'homme de Dieu, quand on va apporter notre part qu'on doit apporter, on va dire qu'on l'a vendu à tel prix. Je n'avais pas compris, moi, au début, là. Je disais, Seigneur, je me faisais cette réflexion cette nuit. Je me disais, Seigneur, pourtant, il était libre de dire à quel prix il avait vendu. Il n'avait pas besoin de mentir, frère et soeur, puisque le champ était à lui, et il avait le droit de retenir ce qu'il voulait, de donner ce qu'il voulait. Donc, il n'était pas obligé de mentir. Mais mes frères et sœurs, l'appât du gain, c'est quelque chose de terrible. L'appât du gain, c'est quelque chose de terrible. Et par rapport à ça, eh bien, il s'accorde. Dans le foyer, on est deux frères. Si la femme, elle connaît son mari, moi, ma femme, elle me connaît, je fais des armes. Ma femme, elle me connaît, elle sait que je reste des fois des mois sans rien faire. Des fois, c'est des mois entiers sans faire un euro. Et puis, ma femme me voit rentrer, si elle me voit rentrer tous les jours avec des sous, avec beaucoup de sous, elle va me poser la question, comment ça se fait? Si vous êtes d'accord, oui. Est-ce que c'est vrai ce que vous dites? Elle va me poser la question. Elle va me dire, tu fais comment pour gagner cet argent? D'habitude, tu tues pour couper un arbre pour une misère, et là, tu ramènes tous les jours de l'argent. Il y a quelque chose. Est-ce que ton travail est honnête? Est-ce que tu fais bien tes affaires quand même? Est-ce que c'est réglo ton truc là? Parce qu'il y a quand même une conversation dans le foyer quand on veut changer la caravane, mais sûr. Sincèrement, on sait le dire. Il faut mettre la vérité au balai quand on veut un jeu de tapis, quand on veut un camion, quand on veut. On sait le dire, Daniel, on sait avoir cette conversation dans le foyer là. Le soir ou le midi à table, on sait dire, tiens, on ne changerait pas le camping, vas-y, on va faire ça, on va faire ça. Donc, on a, vous et moi, cette conversation chez nous. Lui, il y avait cette conversation, mais il s'accorde avec sa femme pour mentir. Et la conséquence du mensonge, la conséquence du péché, la Bible dit que le péché étant consommé, il produit la mort. J'allais dire, c'est dur ce qu'il dit, mais c'est la vérité, frère et soeur. C'est la vérité. Le péché étant consommé, il produit la mort. L'homme est là, il ment à l'homme de Dieu. Vous savez ce qu'il lui dit? Comment que Satan a-t-il pu mettre un tel dessein dans ton cœur? Comment est-ce que c'est possible? Il s'effondre et il meurt. Les jeunes gens sont là, le prennent l'enterre. Et puis, c'est au tour de la femme de venir. Mais elle n'avait pas au courant de ce qui s'est passé. Imaginez-vous quelle importance et puis quelle gloire pour elle. Si l'homme de Dieu lui aurait dit c'est bien tel prix, et puis qu'elle aurait dit non. Non, c'est pas vrai. Mon mari veut que je te dise le contraire, mais non. C'est à tel prix qu'on l'a vendu. Elle ne serait pas morte, frère et soeur. Elle ne serait pas morte. Mais parce qu'elle a été d'accord de ce qu'elle a fait, parce qu'elle a été d'accord
Parce qu'elle a dit oui, et bien la conséquence l'a entraînée à la mort, elle aussi. Et vous savez, quand spirituellement, frères et sœurs, on est mort, il n'y a plus la vie en nous. C'est dur, frères et sœurs. C'est très dur. Le cœur se déchasse. Les organes vitaux à l'intérieur commencent à se déchasser. Et puis pour qu'il y ait la vie, il faut qu'il y ait cette respiration pour l'oxygène, il faut que le sang circule, il faut que tout ça reprenne vie, mais il faut un temps, mes frères. C'est très dur. Par contre, que Dieu soit béni, il ne faut pas rester sur un point négatif. Il n'y a pas que des mauvais modèles, frères et sœurs. Est-ce que c'est vrai, chers? Il n'y a pas des mauvais modèles. Il y a des modèles, frères et sœurs. Il y a des modèles qui apportent la vie. Il y a des modèles là où ils passent. Ben mes frères et sœurs, ça laisse des traces. Ils marquent leur temps. Il y a des hommes de Dieu dans la Bible qui ont marqué leur temps. Mais il y a des hommes aujourd'hui, on entend parler, qui ont marqué leur temps, frères et sœurs. Il y a des chrétiens, il y a un chrétien chez nous, il est mort à 98 ans, 99 ans, Dieu me rend. Mais c'est un homme qui a marqué son temps. C'était un homme fidèle jusqu'à temps qu'il parte en Angoulême. Il était fidèle dans ses réunions. Il venait, il avait 92 ans, 93 ans. Il venait tout seul à la réunion avec son auto. Il venait le jeudi mardi, le jeudi et le dimanche. Il était là. Et c'était l'un des plus vieux diables de notre mission. Je ne sais pas si vous réalisez. C'est un homme qui a marqué son temps. Ça a été un bon modèle. Mais est-ce que toi, chez toi, je te repose cette question, est-ce que tu es réellement un bon modèle? Est-ce que réellement tu apportes la vie chez toi? Est-ce que chaque chose est à sa place, frère? Est-ce que il ne faut pas déplacer les grandes anciennes, hein? Il ne faut pas, frère et soeur. Ce qui est marqué, il faut le laisser. Vous savez, on inverse des fois aujourd'hui. Vous allez dire, je vais être dur avec les sœurs, mais c'est vrai. Mes sœurs, sincèrement, chaque chose doit être à sa place. Chaque chose doit être à sa place. L'homme est le chef du foyer. Ah, comment on dit ça, oui? L'homme est le chef du foyer. La Bible le dit. C'est la Bible qui l'enseigne. C'est un enseignement biblique. Et lorsqu'on lit la parole de Dieu, frère et soeur, la Bible demande à la femme, Jésus demande à la femme, tu m'aimes, comment est-ce que tu m'aimes? Eh bien, comme l'Église est soumise à Christ. Allez. Comment est-ce que tu m'aimes, ben, comme l'Église est soumise à Christ? Et quand tu poses la question, ben, tu dois aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église. C'est plus puissant, mes frères. Est-ce qu'on est prêt à aller jusqu'à la mort pour nos compagnes? Dieu nous en demande cela. Pourtant, il nous demande d'être des modèles. Il nous demande de le faire, frère. Il nous demande d'être des modèles. C'est ça, un modèle, frère. Mais que Dieu soit béni, vous savez. Paul et Silas sont là. Regardez, vous allez comprendre. Paul et Silas sont là, ils sont en train de prêcher la parole de Dieu, et puis il se passe quelque chose. Une femme animée d'un esprit de Python. Elle est devant eux, et vous savez ce qu'elle fait? Pourtant, c'est une femme qui est possédée, mais là, moi, je ne vois rien de mal dans ce qu'elle fait. Elle dit, ce sont des serviteurs du Dieu Très-Haut, ils vous annoncent la voie du salut, écoutez-les. Elle est là, et puis, au bout d'un temps, Paul, agacé du voyage, il est agacé, à la force de l'écouter, il menace l'esprit sort de ce corps, elle est délivrée. Moi, j'aurais dit gloire à Dieu, parce que c'est un miracle de Dieu, on voit la puissance de Dieu. À eux, on les prend, on les bat de verge et on les jette en prison. Seigneur. Alors, je vous pose la question, moi, ce matin, est-ce que réellement, quel serait à nous, quelle aurait été notre attitude? Imagine-toi demain, Daniel, tu viens dans la rue, vois une personne qui passe sur un fauteuil roulant, tu pries pour elle, la personne se lève. C'est un miracle! C'est un prodige de Dieu, on dit gloire à Dieu! On prend Daniel, la personne, la famille porte plainte, et on le jette en prison. On va dire, Seigneur, c'est de l'injustice! Seigneur, allez où alors? Seigneur, les gens, qu'est-ce qui se passe dans leur tête là? Qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête à ce moment-là, frères et sœurs? Surtout quand on dit aux gardiens de prison de les garder sûrement dans la prison intérieure. La prison intérieure, c'est un cachot, frères et sœurs. Je ne sais pas s'il y en a qui ont été en prison.
Tu n'as pas été au cachot. Au mitard, tu n'as pas été. Si. Si. C'est pas agréable, le mitard. Il y en a même certains mitards, moi je suis aumônier. Certains mitards, on m'a raconté, moi, qu'il n'y a pas de matelas, c'est tout embêtant. C'est ce qu'on m'a raconté. J'ai jamais été, c'est ce qu'on m'a raconté. Mon beau-frère, il a été plusieurs fois, c'est un abonné. Donc il a pris un abonnement. Il est auprès de la société, il a pris un abonnement. En année, il va deux, trois fois. Mais il m'a dit, Moïse, où il y avait lui, où il était dans sa petite chambre personnelle, il était là, et puis il m'a dit, quand je vais aller au mitard, il dit, même la tête d'oreiller était en ses mains. Alors, imaginez-vous, à cette époque de la parole de Dieu, comment que ça devait être, frère et soeur. Je ne sais pas si vous réalisez, qu'est-ce qu'il devait dire au portail. Dans quel état que ça devait être. Comment que ça devait être. Comment que ça devait sentir. Seigneur, la nourriture, tout ça, comment que ça devait être. Et puis ces deux hommes-là, eux, s'ils ne se posent pas la question. Je suis sûr que nous, on aurait frappé, on aurait crié, on aurait essayé d'ouvrir les portes, de faire quelque chose pour sortir de là. Comment que notre cœur aurait été agité, frère et soeur, sincèrement devant Dieu. Soyons vrais devant Dieu. Comment que notre cœur aurait été agité. Et vous savez ce qui se passe, frère et soeur, c'est que eux, ils sont là et ils ne se posent même pas la question. Vous savez ce que dans leur cœur, ils doivent dire, c'est pas marqué, mais c'est ce que je pense. Dans leur cœur, ils doivent dire, là, il y a une direction de Dieu. Il y a quelque chose qui va se passer. Vers le milieu de la nuit, chose bizarre, les détenus autour commencent à entendre prier, à entendre glorifier Dieu. Plutôt d'entendre des cris, de dire « je veux voir un avocat, je veux passer en jugement le plus vite possible, il faut que vous me sortez de là, j'ai rien fait de mal, moi. » Là non, vers le milieu de la nuit, on se met à chanter des cantiques et à prier Dieu. Certains ont dû dire « ils sont fous ». Certains ont dû dire ça. Et puis, vous savez ce qui se passe, frères et sœurs. C'est que vers le milieu de la nuit, au bout d'un moment, cette expérience-là, je l'ai vécue, moi. J'étais dans une cellule, il y avait un garçon, il venait de prendre 10 ans pour tentative de meurtre. Il me dit, Dieu ne peut pas être ici, c'est pas possible. Je lui dis, je te le prouve. Mais prouve-moi que Dieu peut être en prison. Je lui lis l'histoire de Joseph. La Bible dit que Joseph a été acheté à tort en prison. Pendant son emprisonnement, l'Éternel était avec Joseph. Dieu peut être avec toi. Et au bout d'un moment, ce garçon-là, il me dit, j'aurai prié le Seigneur avant de partir, et il me dit, mais fais-le tout. Je commence à prier Dieu, ils étaient quatre dans la cellule. Je commence à prier Dieu, et au bout d'un moment, j'ai ceux qui ont besoin, c'est vous. C'est à vous de prier le Seigneur. Ils ont commencé à élever la voix d'aller. Je commence à prier Dieu. Puis dans cette cellule-là, une présence s'est sentie. Je revoyais cette histoire. À un tel point, je vous dis de la part du Seigneur que pour moi, les murs allaient tomber. Et j'ai dit, qui c'est qui veut accepter le Seigneur? J'ai dit, lève sa main. Les quatre, enlevez leur main, donnez leur cœur au Seigneur. C'est des choses merveilleuses. Dans n'importe quel endroit, frères et sœurs, Dieu peut être avec nous. N'importe quel problème, difficulté, Dieu est avec nous. Dieu est avec toi. Mais là, eux, vers le milieu de la nuit, se mettent à chanter, à prier, à un tel point qu'il y a un tremblement de terre, que tout commence à s'ébranler, la Bible dit que les fondements de la prison tremblent, et puis là, il se passe quelque chose. C'est que les portes s'ouvrent. Si on fait attention bien à la lecture, la Bible dit que les portes s'ouvrent, et les liens des prisonniers, les chaînes, tout ce qui était là, tout ce qui était en train de les tenir, tombe à leurs pieds. Tout le monde est libéré. Et l'autre jour, j'ai découvert quelque chose en disant ça. J'ai dit, Seigneur, où tu es grand. Pour moi, d'après ce que la Bible dit, pour moi, dans la prison, il n'y a pas que le gardien qui s'est converti. Tout le monde s'est converti. Parce que quand le gardien tire son épée pour se tuer, Paul dit un mot qui est révélateur. Paul dit un mot qui est révélateur. Il dit, ne te fais point de mal, car nous sommes tous ici. Pas un s'est sauvé de la prison. Pas un a pris ses jambes à son cou. Il dit, ne te fais point de mal, car nous sommes tous ici, frères et sœurs. Ça voulait dire que là, tous ceux qui étaient là, et bien, qui ne connaissaient peut-être pas Dieu, qui étaient là, et bien, à écouter, à voir le comportement de ces gens, frères et sœurs.
quand on a un problème, une difficulté, plutôt de se rebeller, plutôt de crier, plutôt d'essayer de voir qui c'est qui a raison ou de prendre parti d'un ou de l'autre, dire moi ma part à moi, c'est la parole de Dieu. Je sais pas qui a raison ou qui a tort, ma part à moi, c'est la parole de Dieu. Et bien si on se comporte comme ça, frères et sœurs, si on se comporte comme ça, les gens qui nous entourent, ils vont se dire, Seigneur, c'est ça. Seigneur, quand on dit qu'on est des chrétiens, ça ne donne pas envie de prendre ces gens dans son couloir de ce soir. Ça donne envie de venir voir à la réunion ce qui se passe. Vous savez ce qui se passe? Le geôlier les accepte chez eux. Il les fait rentrer dans sa maison et la Bible dit qu'ils sont tous baptisés, lui et les siens. Pourquoi? Ben parce qu'ils n'ont pas refusé l'épreuve pour les siens. Ils n'ont pas refusé de passer par la prison, par l'emprisonnement, par les coups, par les injures, par le mensonge, par les fausses accusations. Ils n'ont pas refusé tout ça. Ils l'ont accepté, frère et soeur. Ils ont dit, Seigneur, conduis-nous là où tu veux. Vous savez, des fois, on dit ça au Seigneur. Seigneur, fais-moi ce que tu veux. Envoie-moi là où tu veux. Puis le matin, on se lève, on a une pensée, il faut aller là-bas. Et là-bas, il n'y a pas grand-chose à faire. On va aller là-bas plutôt. Pourtant, il y a la pensée d'aller là-bas. Pourtant, on demande à Dieu. Dieu nous demande d'aller là-bas, mais ça ne plaît pas à la femme, il n'y a pas pour au magasin, ou soit le mari pour là-bas aller faire son petit travail, donc ça ne va pas. On ne peut pas. Pourtant, Dieu nous y a envoyé, frère. Moi, j'ai prié le Seigneur, et puis le Seigneur m'a mis à cœur Haïti. Haïti, Paris, il y a 9500 km. Un matin, je priais le Seigneur, et puis Dieu m'a mis à cœur ce pays. Le lendemain, je travaille vers une personne de couleur, je lui parle. Elle était de l'île de la Réunion, elle me dit, monsieur, mais aller prêcher la parole de Dieu en Haïti. Je vous dis que cette dame, elle avait un problème, elle a été délivrée, sa mère a été guérie. Je pars de la maison, je rentre sur la mission à Rejoie. Qui c'est que je vois passer? Mario, le pasteur de Châtellerault, l'Ortica. Je le vois passer avec sa caravane. J'ai dit au garçon, je suis allé lui mettre l'eau et le courant, garçon. Hop, les garçons qui étaient avec moi vont lui mettre. Ils disent, t'as vu, Maurice a fait une expérience aujourd'hui, il a travaillé comme ça, il a dit qu'il avait à cœur Haïti. Ben, il disait qu'il vient me trouver. Il dit, parce que Haïti, j'y vais dans 2 mois. Il disait qu'il vient me trouver. J'ai été trouvé le frère, je lui ai parlé, j'ai dit, écoute, je fais mon passeport. Et puis aujourd'hui, ça fait 5-6 ans qu'on travaille là-bas. Amen. D'abord, on a une église 170 mètres carrés. On a acheté un terrain à deux. On a réussi à payer un terrain 5 000 euros. On s'est saigné au Gabon. On a tiré une main comme ça. Vérité. On l'a fait quand même. Et puis aujourd'hui, il y a une église. Que Dieu soit béni. C'est l'œuvre de Dieu, frère et soeur. Si on prie le Seigneur et qu'on demande au Seigneur qu'on veut être des modèles, qu'on veut être guidés, qu'on veut être envoyés, mais quand il nous envoie, il faut y aller. C'est ça, Daniel. C'est ça. Alors soyez des modèles qui apportent la vie, mes frères et soeurs. Soyez des modèles au nom du Seigneur. Vous savez ce qu'il dit? Il lui donne une panoplie, puis après on va prier le Seigneur. Je ne veux pas être long ce matin. Hein, je ne veux pas être long. Que Dieu soit béni. Vous me donnez 2 minutes de plus? Hein? Est-ce que vous me donnez 2 minutes? Amen. Alors il lui dit, Paul à Timothée, il lui dit, 1 Timothée donc 4 et au verset 12, il dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. Il lui dit, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Est-ce qu'on remplit ces conditions? Est-ce qu'on est un modèle, hein? Est-ce qu'on les remplit? Si on les remplit, que Dieu soit béni. Merci à Dieu, tu remplis les conditions, que Dieu soit béni. Continue à vivre comme ça, c'est que tu es un vrai modèle, tu apportes la vie. Tu es un véritable. Mais si tu ne les remplis pas, demande pardon à Dieu. Dis-lui, Seigneur, viens mon aide. Seigneur, que je puisse remplir ces conditions. Seigneur, en conduite, en douceur, en sagesse, est-ce que je les conduis, remplis ces conditions? Est-ce que j'ai rempli ces conditions? Vous savez, un jour, moi, dans mon ministère, on a tous passé par des petits soucis, des petits moments de découragement. Puis j'étais chez moi, et puis 3-4 fois dans la journée, j'étais quelqu'un avec un caractère très dur avec ma femme, quand elle me parlait, il fallait qu'elle baisse la tête, parce que j'acceptais pas comme ça. Et puis, très dur. Et puis, un jour, elle est venue, et puis quand elle m'a parlé, j'étais serviteur de Dieu, je lui ai répondu, mais bref, sec. Mais 3-4 fois dans la journée, sans être mal poli, déplacé, ou quoi que ce soit, pas ça. Mais bref et sec. Elle me dit, écoute, je me dis, tu devrais faire attention, parce que ton vilain caractère commence à revenir. Fais attention à toi. Il m'a juste dit ça. Et puis quand elle est partie, le soir, on s'est mis dans notre lit, tranquille, et puis quand je me suis couché, je me suis mis sur une place désignée, j'avais perdu mon ministère, j'étais sous,
J'étais en train de me chicaner avec des gens. Je me suis réveillé, j'ai poussé un hurlement, mais comme si on m'assassinait mon vieil. Elle, elle a fait un bond comme ça à côté. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai prié avec moi le Seigneur. Elle me dit, pourquoi j'ai jamais tout perdu? Il faut que tu pries. J'ai plutôt de revenir ce que j'étais. J'ai que Dieu prenne ma vie tout de suite. Parce que maintenant, je sais où je vais. J'ai comme avant, je sais, je suis conscient, je sais où je vais. J'ai alors que Dieu prenne ma vie tout de suite. A prié le Seigneur et puis ce poids est parti. Mais il faut reconnaître ce qu'on est frère et soeur. La Bible dit que celui qui a vous délaisse obtient miséricorde. Vous savez, si Dieu te parle ce matin, j'aimerais te dire que ce n'est pas pour te jeter dehors de l'église, ce n'est pas pour te mettre le pied sur la tête et t'écraser, ce n'est pas ça. Lorsque Dieu parle, frères et sœurs, lorsque Dieu nous parle, il a toujours cette main tendue vers nous. Vous savez, c'est pourquoi? C'est pour nous relever, nous aider, nous encourager, pour te montrer qu'il t'aime, te montrer qu'il a payé pour toi la croix. C'est pour ça qu'il te donne ce matin. C'est pour ça que le message est comme ça ce matin. Parce que les personnes ont besoin réellement de prendre conscience de l'état de leur vie. Tu as besoin ce matin de prendre conscience de l'état de ta vie. Tu as besoin de réaliser comment tu es. Comment est ta vie? Comment est l'état de ta vie ce matin? Comment est ton cœur devant Dieu? Est-ce que tu peux réellement ce matin? Si tu ne demandes pas pardon, c'est grave ce que je vais dire. Est-ce que tu peux réellement prendre le vrai bain? Est-ce que tu peux réellement le faire ce matin? La Bible dit que celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement. Il est appelé à faire un examen de nos vies, frères et sœurs. Est-ce que notre cœur nous permet de le faire ce matin? S'il ne nous le permet pas, vous savez ce qu'on va faire? On va prier au Seigneur. Et s'il ne nous le permet pas, si tu as besoin, s'il ne te le permet pas ce matin, si tu es accusé dans ton cœur, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas donner ta main, tu vas la ramasser aussitôt. Que personne ne voie. On prie le Seigneur sur nous. Récompensez-nous. Ne regardons pas.